Bonjour YouTube. Il était temps de faire une vidéo sur un mec que j'ai croisé en battant les replays des favoris. Le mec à gauche là. Il est G2. Alors, vous voyez, il est quand même dans le G2 constant. Et il joue surtout des picks qui font plaisir au moral. Il faut plaisir au moral. Ah, on va mettre cette raison, Imaza. Il est toujours là, lui. Il est toujours là. Il fait plaisir au moral. Parce que il joue ça. Ça. Et des fois, il joue des jumelles. Voilà. On va voir ce qui se passe quand t'as les monstres parfaits pour Cleave. En fait, la jumelle Dark. Clairement. Clairement, la jumelle Dark, si vous savez pas, elle enlève de buff à chaque coup, les met sur sa jumelle qui est avec elle. Et voilà. Du coup, ça remplace le Will par des break def en fait, quoi. Avec Shayna. Et c'est agréable. Enfin, elle est bien. Je vais finir par ruiner cette team. Je vais vraiment finir par la ruiner cette team en fait, les gars. Ouais, je vais finir par le faire. Parce que je pourrais faire une team sympa comme ça. Je me dis, il est G2. Je me dis, je devrais ruiner cette team. J'ai les monstres. Bon, j'ai pas Martina malheureusement pour m'adapter. Mais ça avec Lucian. Qu'est-ce qui se passe s'il est full feu le mec? Alors, qu'est-ce que je fais si le mec part en full feu? Je perds. Ouais, je fais Godwoo ouais, pour le full feu. Je peux faire ça, désolé le chat. Pour YouTube. En gros, faut que le speed order ce soit Tiana, puis Bastet, puis Shayna. Et là, est-ce qu'il tue avec son Lucian? Pas speed tune. Après, c'est dur d'avoir un Lucian speed tune à une Bastet à 280, tu vois. Même 90, j'imagine. Donc, en gros, comme je vais le répéter, elle va dire bah les couilles le Will! Voilà, elle va dire ça. Elle va dire bah les couilles le Will! Et ils vont one shot l'Arthamiel. Vous allez voir. Ah, ils font ça sur le gagné, ok. Et elle a quand même dit bah les couilles! Bah les couilles le Will! C'est trop satisfaisant de voir Martina faire ça. Regardez, il y avait du Will, et maintenant c'est elles qui ont le Will, alors qu'il n'y a même pas d'immunité dans leur team, hein. Mais elles ont volé l'immunité de Woussa. Là du coup tu kick Ragdoll, ah tu kick les... Elle est en Will? Tout en Will ici là? Bah du coup, ouais. C'est moins drôle là. Est-ce que Lagma stun? Il a visé les... Ah après, il y a ça quand même. Ça stun, hein, mine de rien, mais pas la enfin, pas la Triana, qui de toute façon aurait proc violent en dehors du stun, parce que Triana est une grosse catin des bois. Et elle aurait fait ça. C'est Skywars. Mais si vous avez Martina, et que vous avez un niveau de rune assez satisfaisant pour faire la RTA, faites-le. C'est le meilleur monstre de clip du jeu si t'as Shayna. Ah, oh, et en plus du Godwoo, oh là 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 là. Les breakdefs de Shayna qui vont redonner un tour instant à Godwoo et tout, oh là, ça doit être tellement cool. Ah, il vise le kill direct, ok. Clairement, il a pas mis speed en deux sur son singe, lui. Il a pas mis speed. Oh, c'est nul, hyper. Oh, je sais, il y a quand même le singe. Perna, il s'en bat les couilles. Bat les couilles des éléments, Perna. Merci, Perna. Donc, tu kicks Perna. Et tu Lucian. Ou tu Lagma. Ouais, je vais clairement faire sa team, les gars. Je vais clairement faire ça. Après, je suis pas sûr que j'ai un Lucian qui tape assez fort. En speed.
Ouais, je vais faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? En vrai, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que, genre, ils croisent personne qui joue double lead speed et des trucs reset. C'est pas la vraie vie, parce que moi, quand j'ai testé ça avec Zyros Lucian, j'avais un seul lead speed et je me faisais full boulos. Oh. J'aime bien moi ça. Par contre, mec, s'il te plaît, sors tes testicules et fais le sort 2 du singe avant le sort 3. Pour voir le beau jeu. Ah, voilà. Le beau jeu. J'avoue que les gens disent oh, c'est Chitou, franchement Chitou, c'est pas très fort. Bon, allez, arrêtez les gars, hein, revenez dans le présent. Revenez dans le présent. K OE le sort 2, 40K mono cible le sort 3, c'est bon. Revenez dans le présent. Non! Oh là 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 là. Ça ne se fait pas. C'est juste pas correct. Voilà. Après, on peut dire chiou. Enfin, on peut dire chiou. Mais on dit pas chitou. Je crois qu'il a gagné là. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a gagné là. Et là, je dis ça hyper, c'est. Oh, quand même, dis pas que tu peux, allez, sois cool. Mec. Ah, mec. Après, il a Martine encore. J'adore ce mob. Oh oui, c'est bon. Merci beaucoup, je vais un blast pour ça. Ah, c'était ça qui donne un sub à Jablas, merci Testal. C'est bon. Les dégâts du truc. Les dégâts du truc. Je veux Martina. Je veux Martina. C'est quoi, c'est celui-là? Non, c'est vrai. Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ça peut même être gratuit avec Twitch Prime, abonne-toi. Donc on a Martina, elle met 3K tous les deux tours, ça va, c'est pas cool, c'est pas mal. Que tous les deux tours, ça va. Ah, en vrai, là il est pas bien quand même. Là, il est pas bien quand même. Quel serveur il est? Europe, je pense, hein. JM Mesa, il est Europe, hein, je pense vraiment. Ouf, là il va prendre très cher par contre. Y'a rien de plus dangereux que ça pour une team. Ah, quoi qu'à la base, c'est très fort. Ouais, en vrai, Diana, Lydia, Perna pour une team cleave. Ouais, c'est tendu des fesses. C'est ce que je pense, hein, c'est ce que je pense. Même si moi aussi je me suis dit, tiens, t'as pas très fort. Ah, par contre, comment il tue là, j'avoue? C'est pas adapté là. Il aurait dû mettre Lucian à la place de singe. Avec Lucian, il défonçait la team. Là, il défonce pas sa team là. Ou alors je ne suis pas un samouraï. Ah bah oui, je suis pas un samouraï, c'est vrai. C'est magnifique ce que fait le singe là. C'est magnifique quand même. Il est en train de retourner la team. Hein. Au cas où vous aurez pas compris, il est en train de les défoncer. Bon, il y a l'aide un peu quand même. Il y a les debuffs à côté là.
Tous les 3 tours ce soir, hein. Tous les 3 tours. Et pendant ce temps, il a immunité 2 tours. Et il est invincible un tour. Non mais sérieusement. Les gars. Ça devrait être panissable de prison de l'appeler encore Chitou. Pourquoi je joue pas cette team? Bah je vais jouer cette team honnêtement. Juste que lui il a une option supplémentaire, c'est de prendre Martina si ça part en fou feu. Voilà. Et en fait, comme ça il se protège et Martina c'est trop fort en fait. Oh il a même fail. Donc il a bien 2 lead speed. Je me demandais comment il faisait quand il... pour jouer contre double lead speed. Parce que c'est ça qui compte en fait la team. La team là depuis tout à l'heure, elle aurait pu se faire battre si le mec avait double lead speed, Okanos et des trucs comme ça en fait. Tu bannes le lead speed et avec Vanessa tu gères le truc en fait tu vois. Lui il a fail pour avoir 2 lead speed en cas de besoin. Je comprends mieux parce que je me disais c'est pas normal qu'il soit victimisé en fait. Et moi si mes Wulong, bah il s'est quand même victimisé voilà. Ouais il se fait quand même avoir. Je continue au cas où mais j'y crois pas sûr. Alors je comprenais pas comment c'était possible en fait que sa team marche aussi stable. Il y a forcément des mecs qui ont mode double speed au Kanos. Mais c'est quand même pas mal hein, parce que dans toute sa liste actuellement il en a croisé qu'un mec comme ça. Donc en gros ça vaut le coup hein. Apparemment tout le monde n'a pas au Kanos et 2 lead speed. Ou tout le monde pense pas à le faire. Après il y a aussi le... Il a pas croisé beaucoup de Léo. J'ai l'impression qu'il a une série de RTA assez positive pour lui. Hein. Ah, j'avoue, si on kick Shaina. Il compte sur les stuns de Lagma. Ouais, il est quand même G2, mais il a des possibilités que j'ai pas play, tu vois. Il a les possibilités d'avoir 2 lead speed dans le cas de besoin. Et rien que ça, c'est pas dégueu. Hein. Enfin. Moi, je mets genre. Ou Lyon, c'est pas comme fail. Hein. Mais je vais quand même laisser parce que c'est fun. Laisser Molong en vie, c'est une bonne idée. Ah c'est bon, il y a casse, ok. Sans Shaina, ça qui fait moins peur. Mais en vrai, il est quoi, on la speak déjà. C'est quoi son dernier pick là? C'était Fei. Non, c'était Shaina, ça et Martina. En vrai, je pense que des fois, Martina est en trop, ça doit être plus chaîne. Et s'il doit galérer à choisir, est-ce que je mets Martina ou est-ce que je mets Lucien? Là, avec Lucien, c'était beaucoup plus simple, sa team. Je pense qu'il a pris Martina parce que le mec avait pris beaucoup de feu en début de game. Vous voyez, genre, je le trouvais. Je pense là, il y avait beaucoup de feu. Il y avait 2 feux là. Du coup, mettre Lucien à ce moment-là, c'est un peu risqué, tu vois. Donc, il a pris Martina à la place. Je pense que j'aurais pris God. Non, parce que si tu prends God, il n'y a pas de strip. Ouais. Voilà, encore une fois, tu vois, là, ça c'est le genre de truc que on croise tout le temps quand on cleave. Double lead speed Okeanos. Ou alors Léo, Léo Okeanos et Kane speed. Et t'es dans la merde, quand c'est comme ça. Chimitae pourrait peut-être fonctionner en lead speed de secondaire, ça fait un spinning KO, pourquoi pas en vrai. Ouais, je pense que je vais monter un Chimitae pour remplacer la fake là. Genre là donc il y a l'Ispi 33 plus Okanos, je suis sûr il se fait bolos. Ah il joue avant, ça va. Mais quand même hein. Ouf.
Le 36K qui tombe sur la Ciara, il fait bien plaisir parce que sinon il était dans la merde. Mais genre complet. Hein. Ouf. Et là, Faye, ça fait ça, tu vois. Je pense qu'un. Un Chimité, ça fait pas ça en fait. Parce que vraiment, Wu Leong, ça marchera pas dans ce genre de film. Et la revanche, dernier combat qu'on verra de ce mec là. Allez, part en full feu et qu'on finisse sur un dernier combat où on voit du God Wu. Ah, il sait que le mec peut low speed, donc il a pris Bernard. Ok. Par contre, Julian et Léo ensemble, c'est un peu bizarre. Il a pris Léo pour counterpick la team de la gauche. Il tabasse le truc, c'est chaud. Mais il n'y a pas de moyen qu'il gagne. Dommage, on finit sur une défaite. Mais team bien sympathique. Team bien sympathique. Je pense que je vais essayer de l'adapter un peu. En mettant un Chimité à la place de Faye. C'est un peu moins sexy, mais ça peut peut-être marcher. Et voilà. Chimitae, là j'ai pas de solution pour jouer avec Shayna. Quelle jumelle je mettrais dans la vraie vie avec Shayna si ça part en full feu et que l'Agma Luchette ça marche pas? Maruna? Maruna, Sabrina peut-être? Ouais, parce que je vais ruiner ça. Mais donc YouTube, hein, cette vidéo elle se finit là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre bonjour, j'aime, vous abonner et mettre un truc là. Et c'est tout. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir.